Bonjour Julia, on parle beaucoup d'intelligence artificielle dans les différentes industries et puis spécialement dans la banque. Que signifie l'intelligence artificielle pour B4Bank ? L'intelligence artificielle, c'est l'utilisation d'algorithmes intelligents, par définition. Nous, on en voit plusieurs applications. D'abord, le fait de faciliter la relation entre le client et son conseiller ou sa banque, hein, puisque nous, on est dans un modèle à distance qui passe par du relationnel email, téléphone, chat. On peut envisager d'avoir des chats super intelligents, c'est les chatbots qui permettraient au client d'avoir la réponse à une question assez simple de façon ultra rapide et personnalisée. Donc du coup on regarde les chatbots. Une autre utilisation, c'est répondre aux besoins du client qui est très fort dans la banque, qui est le conseil. Les clients cherchent plus de conseils pour savoir où investir leur argent, que ce soit de l'épargne, de la bourse, et aussi avoir une meilleure vision de leur patrimoine au global. Du coup on regarde de très près les robots advisors qui permettent de fournir ce conseil de façon très simple et personnalisé. Donc ça, c'est une part. D'autre part, on regarde aussi les agrégateurs. On va lancer d'ailleurs au printemps 2017 un agrégateur en marque blanche avec Linxo qui permet aux clients d'avoir une vision globale de son patrimoine. Donc l'intelligence artificielle, c'est toujours au service du client. C'est pour proposer une valeur ajoutée à sa relation avec la banque et avec son argent. On voit aussi un autre domaine d'application qui est la sécurité, puisque en travaillant avec une société qui s'appelle Linkurious, on peut détecter plus facilement, plus rapidement et quasiment en temps réel, voire en temps réel, des scénarios de fraude. Donc la sécurité en particulier, c'est une initiative concrète que vous déployez maintenant ? Tout à fait, on a fait un POC en fin d'année 2016 et puis on est en train de le déployer à l'échelle de la banque en ce moment.